Bien. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa waffiqna lil 'amali bima 'allamtana. وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde qu'Allah vous couvre de sa miséricorde et sa bénédiction, qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, et qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la patience dans cette épreuve, dans ce confinement. Donc, il m'a été demandé de faire un rappel. Donc, j'ai choisi aujourd'hui un rappel sur le fait de se préparer pour bien accueillir le mois de Ramadan. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan arrive à grands pas. Et chaque année, nous avons l'habitude d'entendre autour de nous nos frères et nos sœurs qui expriment leurs remords, leurs regrets, le fait qu'ils n'ont pas su bien profiter du mois de Ramadan comme ils auraient souhaité. On entend très souvent des frères et des sœurs qui disent « Hélas, le mois de Ramadan arrive à sa fin et je n'ai pas pu profiter de ce mois comme j'aurais aimé. » Et ensuite, on se donne de faux espoirs de se dire, ce n'est pas grave si cette année je n'ai pas su bien profiter. Inch'Allah, l'année prochaine, je profiterai comme il se doit. Et l'année prochaine arrive et rebelote la même situation, le même cas. Vous savez pourquoi cette situation, ce cas? En fait, la raison de cela, c'est le fait que nous entamons chaque année le mois de Ramadan sans une préparation préalable. Avez-vous jamais vu un étudiant sérieux, studieux, qui a un examen à passer, qui attend les jours des examens pour commencer à réviser, à travailler? Avez-vous jamais vu un commerçant habile, intelligent, qui entame une occasion de foire où il peut multiplier ses chiffres d'affaires, attendre que la période commence pour savoir, pour réfléchir quelles marchandises il va présenter? Avez-vous jamais vu un cultivateur qui, sans labourer son champ, sans cultiver le champ et semer les graines, qui espère avoir de bonnes récoltes? Non, il est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des normes et des lois dans l'univers. Et parmi ces normes et ces lois, là, il y a la loi des causalités. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'entreprendre des mesures nécessaires pour pouvoir réaliser nos objectifs et réussir nos entreprises. Donc, de même, le mois de Ramadan, ce n'est pas... C'est comme... la période de compétition. Donc, c'est comme la période de compétition, on va rivaliser pour se montrer qui est-ce qui va gagner le plus grand prix et qui est-ce qui va être le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un champion, un compétiteur n'attendra pas que la compétition commence pour se préparer pour pouvoir gagner les médailles d'or. Ben, un grand champion, il se préparera bien avant que la compétition ne commence. Donc, la différence entre nous aujourd'hui et nos prédécesseurs pieux, vertueux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les générations qui sont venues après les compagnons, la différence entre nous et eux, parce que quand on lit, on étudie leur vie et comment ils étaient, l'effort qu'ils faisaient pendant le mois de Ramadan, des fois, on a tendance à ne même pas croire, de dire non, ce n'est pas possible. Ce qu'on entend des récits, qu'on entend de leur vie, on dit non, ce n'est pas possible de cela. C'est tout à fait possible. La différence est que c'était des gens
qui s'est préparé avant l'arrivée du mois de Ramadan pour pouvoir récolter le meilleur résultat pendant le mois de Ramadan. On nous rapporte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala de les garder en vie jusqu'au Ramadan, 6 mois à l'avance. Ils commencent à implorer Allah, que Allah les garde en vie jusqu'au mois de Ramadan. Et on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsque le mois de Rajab commençait, c'est 2 mois avant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire « Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan » « Oh Allah, béni pour nous, Sha'ban, Oh Allah, béni pour nous, Sha'ban et Rajab et Sha'ban et garde-nous en vie jusqu'au mois de Ramadan. » Donc, si les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, avant l'arrivée du mois de Ramadan, ils étaient dans cet état d'esprit, donc nous aussi, si nous voulons bien profiter du mois de Ramadan, il faut que nous arrivions à s'y préparer bien à l'avance. Pour que lorsque le mois de Ramadan arrive, on est déjà prêt à rentrer en compétition, à rivaliser pour être ceux qui seront le plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui auront la meilleure récompense, le meilleur prix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque on s'interroge, de dire pour se préparer pour le mois de Ramadan, que faut-il faire? Que faut-il faire pour se préparer pour le mois de Ramadan pour pouvoir en profiter le maximum? En fait, en réalité, quand on regarde, qu'est-ce qui fait que le mois de Ramadan est un mois particulier? La particularité du mois de Ramadan, c'est le jeûne, le fait de jeûner, le fait de jeûner. Allah, il a choisi ce mois pour prescrire le jeûne du mois de Ramadan. Donc, la particularité du mois de Ramadan, c'est de jeûner. Mais quand je dis jeûner, il ne s'agit pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire et de se désir, mais il s'agit de jeûner comme Allah subhanahu wa ta'ala, il voudra qu'on jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais le jeûne, c'est aussi s'abstenir de toute futilité. Il dit, même lorsque quelqu'un qui t'insulte ou qui t'agresse, dis-lui, j'observe le jeûne. Dis-lui, j'observe le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi le jeûne, c'est de s'abstenir de grossièreté, de futilité. Il dit, celui qui ne délaisse pas des propos mensongères et d'agir mensongèrement, Allah, il n'a pas besoin qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson. Imam Ghazali, rahimahullah, il classifie le jeûneur en 3 catégories. Il dit, le jeûneur sont des 3 catégories. Il y a des jeûneurs qui, lorsque leur jeûne consiste seulement à s'abstenir de manger et de boire, et il y en a d'autres jeûneurs de boire et de tout ce qui peut entraîner l'annulation de jeûne, mais quand ils jeûnent, leurs membres ne jeûnent pas. Il dit, deuxième catégorie, les jeûnes de l'élite. Il dit, quand ils jeûnent, tous leurs membres jeûnent. Le jeûne de tout ce que Allah il a interdit, la main jeûne de s'étendre vers ce qui est interdit par Allah, et la langue jeûne de tout ce qui est interdit, l'oreille jeûne de tout ce qui est interdit, donc tous leurs membres jeûnent de ce qui est interdit. Il dit, le jeûne de l'élite, quand ils jeûnent, il dit, même leur cœur jeûne de tout ce qui est autre que Allah. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un détachement total de toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le jeûne, ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans les souvenirs, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit se préparer pour jeûner correctement comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Et deuxième chose qui nous rapporte gros pendant le mois de Ramadan, le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan pour la révélation du Coran. Donc, et le Coran et le jeûne, ils vont de pair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement dernier. Donc, troisième chose, les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veille les nuits de Ramadan dans la prière
motivé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Donc, les prières nocturnes. Troisième chose, quatrième chose plutôt, c'est le fait de faire l'aumône, le fait de faire du bien, le fait de se montrer généreux, charitable. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, le prophète était le plus généreux des hommes. Il était beaucoup plus généreux pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril venait étudier le Coran avec lui. Le prophète était plus généreux que le vent qui souffle. Et aussi, le mois de Ramadan, ce qu'il faut faire beaucoup plus, al-dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de pratiquer al-dhikr. Donc, en fait, tous ces actes que je viens de dire, jeûner, la lecture du Coran, les prières nocturnes, la générosité, le fait de pratiquer al-dhikr, il faut le commencer avant le mois de Ramadan. Il faut le pratiquer avant le mois de Ramadan. Parce que si vous attendez le premier jour du mois de Ramadan pour commencer, pour s'y mettre, ben, le mois de Ramadan, il va finir et que, avant que vous n'ayez le goût, le plaisir d'avoir pratiqué ces choses-là. Donc, vous allez entamer le mois de Ramadan, pas dans les meilleures de conditions, mais par contre, lorsque vous commencez bien avant, vous allez, donc, dans ces cas, vous allez bien profiter du mois de Ramadan. Vous allez vivre un mois de Ramadan exceptionnel et que vous allez avoir le plaisir et le bonheur de vivre le mois de Ramadan comme il faudra. Donc, par ces quelques mots, je voulais faire ce rappel pour moi-même et aussi mes frères et sœurs, afin qu'il n'est pas encore trop tard, hein, il n'est pas encore trop tard, mais il ne faut pas attendre le premier jour du mois de Ramadan pour se lancer, pour commencer. Sinon, vous allez rater l'occasion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie jusqu'au Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous facilite de la meilleure façon de l'adorer. Et qu'Allah vous bénisse et qu'il vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.